Quand on parle de créativité, voici. Quand on parle d'opportunisme, voici comment ça se matérialise. Avec si tu es 1, 2, 3. Quand on parle de courage, de ténacité, rappelle-toi, on arrive, on dit que nous, on doit aller voir Macron, on doit faire ceci, on doit aller voir. Allons, on attaque. T'as dit que tu n'as pas froid aux yeux. Tu fonds, tu dis que. Et voilà. Ça, c'est ton aspect. Voilà. Quand il a dit, on va voir Macron. Il y a le feu ici. Je prends mon téléphone comme ça, là, je lève les yeux, il est là devant. Il dit que, mais Junior, c'est comment Junior est déjà devant Macron. Que moi, c'est Junior. Voilà, on dit quoi, monsieur? Vous ne me connaissez pas, monsieur le président. Vous me connaissez pas. Jusqu'à Macron, dit que, mais je ne connais pas. C'est comment, je ne connais pas le gars. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que quand on enseigne, on leur dit, bon, voilà. Ouais. Voilà comment ça se met. Il y a des démarches préalables et tout. Moi, peut-être mon petit souci, Junior, c'est un homme du signe des vierges. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas les vierges, ce sont des gens qui sont très portés sur la planification, les détails. Moi, je suis une femme verso, on attaque. On a le temps, on voit, on a le plan là, on écrit rapidement, puis on fonce. On combine les deux. Donc il faut combiner justement les deux pour le faire. Donc on travaille vraiment sur la meilleure des formations. On prend le meilleur de ce monsieur-ci, on prend le meilleur de moi et on combine, on travaille dessus pour vous donner. Je pense que c'est même le genre de formation que nous-mêmes on va recevoir. Parce que beaucoup de gens m'appellent et me disent à l'époque, quand on me disait, Junior, vraiment, je suis coincé, tu sais, mon business est coincé à tel niveau. Et puis je me retrouve, je me demande, mais quand toi tu écrivais ton business plein, tu te disais que tu allais vendre tes produits comment? C'est-à-dire que comment tu te disais que tu allais te faire de l'argent dans ce business? Je me suis rendu compte que beaucoup de gens lancent les business simplement par passion. C'est-à-dire que je suis passionné de photographie, je vais faire la photographie, allez hop. Donc vraiment, je vais faire les photos, je vais faire les photos. Mais il n'associe jamais photos et argent. Pour lui, il veut faire les photos. Maintenant, comment transformer sa passion en argent? Il ne sait pas. Et il continue de faire les photos. Il y a des gens comme ça, ils filment. Sans argent. Non, ils filment, sans argent. Et puis, il te dit que, tu vois, le business, ça ne marche pas. Ou bien, il est tellement accroché à son truc. Quand on parle donc d'exécution, pour moi le point de départ, c'est de savoir, de pouvoir identifier. Déjà, j'entre dans ce business, dans quelles conditions, c'est-à-dire que tu analyses d'abord le contour, le type, qu'est-ce que tu représentes dans ce business. Est-ce que je suis quelqu'un qui veut entrer dans ce business par passion? Est-ce que je veux entrer par compétence ou je veux entrer par nécessité? Pour moi, voilà les trois. Il faut déjà savoir où tu te situes. C'est le premier, c'est la première des fois. Dès que tu sais déjà où tu te situes, la deuxième phase, c'est établir tes atouts et tes faiblesses. Pour moi, c'est fondamental parce que beaucoup de gens se lancent dans un business. Je suis mécanicien, tu vois, par exemple, à la base, ok, je veux ouvrir un garage. Mais ok, d'accord, le garage, ça veut dire que je sais arranger les voitures. Mais le garage, ce n'est pas qu'arranger les voitures. Il faut le marketing, il faut la comptabilité, il faut le suivi, il faut... Le service à la clientèle. Il faut le service clientèle, il faut tout ça. Mais tu n'as pas tout ça. Mais dans lui, le mécanicien, dans sa tête, lui, comme il est mécanicien, il pense que ça va. Il jogue dans dedans. Il fait donc la mécanique comme au village. Donc, il n'intègre pas qu'il aura besoin de telle compétence, il aura besoin de telle compétence. Et s'il a besoin de telle compétence, comment il acquiert cette compétence? Par lui-même, ou alors comment il s'associe entre des personnes qui ont cette compétence? Donc voilà, moi je pense, quand on arrive, avant même déjà l'exécution pour commander, pour moi, ça c'est important de savoir exactement où on se situe. C'est ça que j'appelle l'analyse du contexte de l'environnement, que ce soit du business ou que ce soit sur le plan personnel, tu dois déterminer. Maintenant, il faut déterminer ses forces et ses faiblesses. Très d'accord. Tu dois déterminer tes forces et tes faiblesses parce que quand tu vas exécuter là, je m'en vais exécuter, je dois savoir que si tu vas en guerre, tu es un soldat, si tu sais que tu es formé à la Navy comme un marin, tu n'es pas un fantassin qui va sur le front. Si tu es formé sur le front, tu n'es pas un pilote de chasse. Donc ça veut dire que quand tu sais déjà quelles sont tes compétences, quelles sont tes atouts, tes forces, là maintenant, tu sais que, ok, voici comment je vais orienter ma démarche.
dans d'autres programmes, à un autre programme, et c'est comme ça que je finis par tomber sur les personnes. Bon, il faut qu'on trouve une manière de mettre ça ensemble, parce que moi, ma démarche est légèrement différente. Au départ, on se rejoint beaucoup au niveau des points de faiblesse, on se rejoint du pourquoi tu lances ce business-ci, tu vois. Mais moi, souvent, la manière dont je démarche, c'est quoi? C'est que quand je... C'est souvent à l'écoute. J'écoute, les gens se plaignent d'un truc. Quand les gens se plaignent, moi je pense aux solutions en même temps. Bien sûr. Tu vois, je pense aux solutions et j'essaie de voir exactement en termes d'exécution, est-ce que c'est un projet qui va me demander moins d'énergie et me faire amener beaucoup d'argent rapidement. C'est ça mes trucs, tu vois un peu. Maintenant, une fois que j'ai analysé ça, et moi je ne pousse pas souvent, je ne suis pas de ceux-là qui poussent trop l'analyse. Dans les business plans, là, quelqu'un va s'asseoir, te mettre des business plans, t'écris les trucs pendant des jours. Ça, c'est pas moi du tout. On saute d'abord, on saute dans le vide, on fait le parachute à comment, on gère ça, là. Juste le dos des nègres.